nouvelle saison, nouveau pilote et nouvelle monoplace. En revanche, c'est le même Albert Park que nous connaissons depuis plus de 20 ans qui va nous offrir la première des 21 courses de ce championnat qui nous mènera de Melbourne en Australie jusqu'à Abu Dhabi sur le circuit de Yas Island pour la dernière épreuve de l'année. L'incomparable circuit de l'Albert Park est situé au sud du centre-ville de Melbourne. Le circuit compte 5 km de voies publiques, bien entendu fermées à la circulation durant le week-end du Grand Prix. Cette piste très bosselée comporte 16 virages et offre quelques possibilités de dépassement, notamment grâce aux zones de DRS, aux virages 1 et 3. Beaucoup de nouveautés au programme de cette saison avec des changements dans la réglementation, une nouvelle gamme de pneumatiques et bien sûr du mouvement du côté des constructeurs. Cette année voit le retour en Formule 1 d'Alfa Romeo et la disparition du nom Force India remplacé par Racing Point après un rachat de l'écurie en fin d'année dernière. Pour vous faire vivre cette saison 2019 de Formule 1, j'ai le plaisir de retrouver à mes côtés Nicolas Martin. Merci pour cet accueil Julien, tout le plaisir est pour moi. J'ai hâte d'attaquer la saison. L'an dernier, Mercedes s'est emparé du titre de constructeur pour la 5e fois de suite, même si la première moitié de la saison a été âprement disputée avec Ferrari. Espérons que cette année, les seconds couteaux auront l'occasion de s'illustrer et que le championnat ne sera pas joué avant la dernière épreuve d'Abu Dhabi. Il faudra également surveiller les résultats de Red Bull, qui adopte un bloc propulseur Honda. On peut se demander quel sera l'impact de ce changement en matière de performance et de fiabilité. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Lewis Hamilton part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Bottas, Vettel, Charles Leclerc et Albon, Sainz, Perez, Grosjean et Nico Hülkenberg. Stroll, Ricciardo, le dieu de la pluie et Gasly, Raikkonen, Giovinazzi, Kevin Magnussen et Daniel Kvyat, Russell et Lando Norris qui part dernier sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage.
Ferrari regagne le parc fermé après une victoire éblouissante. A votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste.